Cellule à une autre pour partager tabac et autres besoins ponctuels durant la journée. Ça, les yo-yo, c'est le standard de la communication en établissement. Je vous sens tendu là. Sud, une galère qui est en train de brûler. C'est qui a fait ça? Je connais. Je sais pas, vous avez défoncé. C'est quelqu'un? Hein? Qui ça? Je sais pas, il y a des caméras. Il y a des points d'eau sur la table. Là, il y a un point d'eau là. Les gars, prenez de l'eau, allez mettre de l'eau. C'est mort, ça y est, ça va être tout. Oxy. Éteins. Alors, je suis con. Hein? Ouais, c'est un fou, mais tu veux. Mets de l'eau dessus. C'est quoi ça comme rocher? Avec près de 150 détenus dans la cour de promenade, les surveillants sont en infériorité numérique. Impossible d'intervenir en sécurité. Par rapport au feu, ils ont été visionner les caméras et donc ils ont vu qui a mis le feu au niveau du plan de pelouse là. Et donc du coup, ils vont faire le retour promenade et ils vont le mettre de côté. Puis ils vont lancer une procédure, je pense. Donc ça va certainement être du QD. Le QD, c'est le quartier disciplinaire. Il est redouté. Il prive les détenus de tous leurs avantages. C'est ce que vous voulez? Viens m'enlever ma veste. C'est ce que vous voulez? Oui, peux m'enlever ma veste. Allez, on y va. Viens m'enlever ma veste. Vas-y, arrête de faire allez, le coup avec toi. Viens m'enlever ma veste. Avancez, s'il vous plaît. Voilà. Il n'y a rien du tout. Allez, avancez. Allez. Par contre, enlève la veste, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Excuse-moi. Yo, c'est moi le fils de pute? Et même si c'est des surveillants, c'est pas des fils de pute. Oui, mais quand bien même. Je suis d'accord, mais quand bien même.